Bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Fated. Et donc on s'était arrêté ici. Puisque... Une fois de plus, nous descendons vers l'inconnu. Putain de merde. Acte 4, les racines d'Yggdrasil. Ah oui, du coup, je l'ai un peu bugué. Bon, c'est pas grave. Elle va se débugger toute seule. D'autres gravures. Celle-ci montre lorsqu'Odin et ses frères ont tué Ymir dans son sommeil. Les dieux ont tué les géants? Oui. Tellement de sang a coulé que plusieurs géants se sont noyés. Tous, sauf une poignée d'entre eux. C'est pour ça que les géants sont en colère? C'est une bonne théorie. Alors c'est la faute des dieux. Blâmer est souvent facile. Mais rarement juste. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Un autre test? Alors attendez. Faut que je trouve cette marque là. Ok. Ça, du coup. Regarde, les runes sur les murs disparaissent quand on avance. Donc, il nous faut la forme triangle. Donc c'est celle-ci. Du coup, ici. Merde. Alors attendez, ne pas se tromper. Tac, tac. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Parce qu'en plus, ils font des feintes, les salauds. Donc, tac. Celui-ci. Alors après. Celui-là. Putain, si je me trompe, on est tellement dans la merde. Celui-là. Tu as réussi! Eh, t'as vu? Un pro! Quatre pattes, comme à Doombla. Ne me fais pas regretter ce que je t'ai enseigné. Je n'aime pas les insectes.
Ah, c'est horrible. Tout va bien, Eda. T'as juste à suivre Ulfur. J'espère que tu ne ris pas de moi, jeune homme. Qu'on touche au but. Vu l'allure de cette pièce, nous semblons être de retour. Allons voir un peu plus loin. Bah ça, je sais pas si on touche au but, mais on avance en tout cas. La porte du guerrier. Notre périple se termine enfin. Il y a un levier! Mon oncle, je peux le tirer? D'accord, j'y vais. Ah. Oh, Dieu merci, j'ai entendu quelque chose, j'ai pensé au pire. Trop choupi. Svan, viens ici. Je ne suis peut-être pas ta mère, mais je peux embrasser mon neveu. Oh, ma chère Leaf, as-tu gardé ta mère en sécurité? Oui, elle était triste, mais je l'ai aidée. Leaf, devine ce que j'ai découvert. Eda a peur des insectes. C'est ma seule et unique faiblesse. L'épreuve est presque terminée. Les dieux vont sûrement nous sourire. Mais ils ont toujours l'air sérieux. Allons voir s'ils sourient. Waouh, excellent. Oh, incroyable. Waouh. Waouh. Se pourrait-il? Tout ici ressemble à l'arbre du monde. Mais je n'ai jamais cru qu'un jour je le verrai. Impossible. C'est si beau. Délicieux, j'adore les lucioles. Celle-ci est mon amie, son nom est Zara. Ça chatouille. Oh, j'espère que c'est le premier de plusieurs bons souvenirs. J'entends une chute d'eau. Leaf. Je sais. Attends, papa. J'aime pas attendre. Je n'ai jamais vu d'aussi grosses racines. Écoutez, tout le monde.
Edda, prends la tête et dis-moi si tu vois quoi que ce soit d'important. Liv, Sven, suivez-moi. Et Ulfur, passe en dernier pour surveiller nos arrières. Oh. Et comment je saute? Vite! J'en prie, Luc.
truc de fou. Oh, cette fin grandiose, sérieusement. Oh, c'est très triste, mais je pense pas que je pouvais faire autrement. Attends, je reste bouche bée, franchement, comme expérience. C'était génial. C'était assez court, par contre, faut le dire. Alors, si je devais lui mettre une note, ce serait un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que, question animation, c'est plutôt bien fait. Au niveau de tout ce qu'on fait pendant le jeu, bah, c'est varié. Et t'as des moments, t'as ton cœur qui s'emballe un peu, tu vois. Au niveau de l'action, enfin, ça te procure divers effets, en fait. C'est vraiment une bonne expérience. D'un point de vue de la spatialisation 3D, j'ai rien à reprocher. Franchement, c'était génial. Les sons étaient bien reproduits. Graphiquement, c'était très joli. En tout cas, casque sur la tête. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais je vous assure que c'est vraiment très immersif et c'est plutôt joli. Sinon, au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé. On s'attend à une suite sur cette fin. Si vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas à l'acheter, il est disponible sur le PlayStation Store. Donc sur ce, nous on va se laisser là. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre reality play ou une nouvelle vidéo ou un nouveau let's play. Bye bye.